Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous tous. La grâce des neuf fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience, la foi et la fidélité soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. Et que la grâce de l'humilité surnaturelle, l'obéissance, l'enlèvement de l'Église et la jouissance à la vie éternelle, vraiment, qui est si proche, soit manifestée sur tous les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, bien-aimé, accompagnée avec l'enseignement. Bien-aimé, sans toutefois tarder, je vais recommander ces moments de prédication accompagnés avec l'enseignement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, je vais aussi présenter la gloire, la grandeur et la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées tout-puissant, Père, je bénis ton saint nom, je te loue et je t'exalte, Seigneur, parce que tu m'as encore accordé la grâce aujourd'hui de venir transmettre ton message à ton peuple, transmettre la prédication et cet enseignement que tu m'as donné à ton peuple, Seigneur. Je te suis reconnaissant, Père, parce que tu m'accordes toujours la force à tout moment de venir enseigner. Tu m'accordes toujours des révélations et des enseignements à tout moment, Seigneur, de venir enseigner à ton peuple, de venir édifier, Seigneur, de venir sauver les âmes par ta puissance et ton onction, Père. Éternel Dieu, grand Père, je t'implore, Seigneur, tu dans ta parole. L'homme ne peut aboutir à rien sans le Saint-Esprit, Père. La chair ne sert à rien, mais c'est l'Esprit qui vivifie, Seigneur. Père, je reconnais de tout mon cœur que ma chair ne sert à rien, mais seul ton Esprit peut vivifier, Seigneur, les cœurs, les âmes et les esprits à travers cet enseignement, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, je t'implore, je t'en supplie, Papa. Que le Saint-Esprit, Seigneur, prend total contrôle en ce moment, Père. Que le Saint-Esprit se mouvoie maintenant, Père. Que le règne du Saint-Esprit, Seigneur, domine maintenant dans cet enseignement, Seigneur. Le règne du Saint-Esprit, Seigneur, saisis ma langue, saisis mon esprit, Seigneur. Saisis maintenant, Seigneur, tout mon être, Père. Et que la chair se taise. Le règne du Saint-Esprit prend total contrôle, Père. Je t'implore à travers cette prédication, Père, d'étendre ton sceptre royal, Seigneur. Le sceptre royal, et que ça soit frappé maintenant au sol, afin que, Père, ce sceptre, Seigneur, va contaminer tous les cœurs. Ça va contaminer, Seigneur. Ça va contaminer, Père. Ça va transformer les cœurs. Ça va renouveler, Seigneur, les cœurs. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Amen. Oh, Père tout puissant, Seigneur, toi qui es au-dessus de toutes choses, Père. Toi qui es au-dessus de toutes choses, Père. Aussi vrai que, Père, le trône, Seigneur, est rempli de ton protocole, Père. Le trône est entouré d'un protocole céleste, Père. Le trône entouré d'un protocole céleste puissant, Seigneur. Aussi vrai que Père, l'arc-en-ciel environne ton trône, Père. Aussi vrai que tes neiges puissant, Seigneur. Les 24 vérités sont devant ton trône. Aussi vrai que Père puissant, Seigneur. Les 7 lampes ardentes brûlent, Seigneur, devant ton trône. Qui représentent les 7 esprits que tu as envoyés sur la terre. Aussi vrai que Seigneur, Père puissant, Seigneur. Les 4 êtres vivants sont devant ton trône, Père. En tout de ton trône, Père. Aussi vrai que Seigneur, les myriades. Des milliards de anges, Père, sont entourés sur ton trône, Papa. Oh, tu es dit, Papa, Seigneur, de recevoir la puissance, Seigneur, l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, la puissance, la magnificence, l'exaltation, puissant, Seigneur, pour des siècles pour toujours, 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 pour des siècles pour toujours. Oh, Père, reçois, Seigneur, tout l'adoration, Seigneur, des louanges, reçois les Seigneurs à tout moment, Seigneur.
Seigneur. Reçois les cieux pour l'éternité, l'éternité, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, sans toutefois tarder, par la grâce que le Seigneur m'accorde, je me présente comme le plus petit des serviteurs de Dieu, Prémisse Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Donc, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu. Le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu. Le moindre parmi tous les apôtres, tous ceux à qui Dieu a appelé dans le ministère apostolique. Donc, je ne suis rien, bien-aimé. Le simple instrument de notre Seigneur Jésus-Christ. Le simple instrument, qui suis-je pour concrétiser à la volonté du Seigneur? Qui suis-je pour retenir la vérité de Dieu captive? Qui suis-je pour retenir la vérité de Dieu captive et ne pas libérer cette vérité? Qui suis-je, bien-aimé? Qui suis-je pour empêcher que la vérité soit répandue, la vérité soit délivrée partout dans le monde? Pas la moitié de la vérité, mais la vérité totale. Bien-aimé, vraiment, je bénis le Seigneur. Je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit m'a empêché rapidement afin de libérer ce message, afin de prêcher, d'enseigner sur ce thème. Donc, sur ce thème qui est intitulé « La négligence des chrétiens dans l'œuvre de Dieu et leur paresse de travailler avec les mains pour gagner le pain quotidien. » Oui. Pour gagner le pain quotidien. Bien-aimé, ça c'est un message qui est très urgent. Ça c'est une prédication, un message que Dieu veut transmettre à son peuple, aux chrétiens, urgemment, bien-aimé, c'est très important. C'est très important. Bien-aimé, parfois, nous nous posons des questions. Le Seigneur, nous nous posons des questions. Dieu ne nous exauce pas. Dieu ne nous vient pas en aide. Nous crions à Dieu. Mais on n'arrive pas à s'examiner. Nous n'arrivons pas à s'examiner là où nous ne sommes pas alignés avec sa parole. Là où nous ne sommes pas alignés avec le Seigneur. Bien-aimés, voilà pourquoi le Seigneur m'a fait grâce, m'a empêché de venir libérer ces messages. De venir délivrer ces messages, de venir partager ces messages, de venir prêcher, enseigner, bien-aimé, sur ce thème, la négligence des chrétiens dans l'œuvre de Dieu et leur paresse de travailler avec les mains pour gagner le pain quotidien. Pour gagner le pain quotidien. Bien-aimé, pour gagner le pain quotidien. Bien-aimé, Nous allons commencer avec notre petit 1. Parce que notre enseignement et prédication sera basé sur deux parties. Le grand 1, la négligence. Et le grand 2, c'est la paresse. Nous allons prêcher dans les profondeurs sur les deux éléments. Les deux points. Et nous allons parler de la négligence spirituelle, de la négligence sur le plan physique, la négligence de l'œuvre de Dieu sur le plan spirituel. La négligence et la paresse sur le plan spirituel, la négligence et la paresse sur le plan physique. Nous allons parler de toutes ces choses ici, maintenant, bien-aimé. Maintenant, ce n'est même pas que plus tard, mais maintenant, bien-aimé. Parce qu'il faut vraiment que le voile des yeux soit arraché. Le voile des yeux tombe. Bien-aimé, il faut vraiment que les chrétiens se réveillent. Il faut vraiment que les chrétiens se réveillent, bien-aimé. Les chrétiens se réveillent. Le Seigneur n'est même pas un peu content. Il n'est pas content de cette génération. Cette génération des chrétiens. Génération des chrétiens paresseux, génération des chrétiens négligents, génération des chrétiens pervers, génération des chrétiens, je ne sais pas, génération des chrétiens murmurent, des chrétiens murmurants, génération des chrétiens critiquants, mais
Génération, c'est quelle génération? C'est quelle génération que nous, c'est quelle génération des chrétiens ou même nous sommes en train de traverser cela? Quelle génération? Le Seigneur veut réveiller les esprits. Dieu veut réveiller les esprits des chrétiens. Nous sommes dans les temps de la fin. Le réveil doit prendre le réveil. Ça veut dire que l'apogée du réveil doit grandir. L'apogée du réveil doit s'installer. L'apogée du réveil doit prendre son ampleur, bien-aimé. Oui, on pensait que, oui, dans les décennies, il y a eu déclin du réveil, que l'église primitive, les premiers apôtres, les premiers évangélistes, les premiers prophètes ont établi l'église primitive. Ça veut dire que ce premier réveil, il y a eu déclin de ce réveil, c'est éteint. Quand il dit que déclin, ça veut dire que c'est éteint. Mais là maintenant, Dieu maintenant doit encore restaurer encore. Il doit encore ressusciter encore. Ce réveil, le réveil qu'il y a eu dans l'église primitive, ça veut dire que l'église primitive, c'est que l'église des temps des premiers apôtres, des premiers prophètes, des premiers évangélistes. Nous sommes à cette ère que Jésus-Christ, maintenant, il doit ressusciter ce réveil encore. Il doit ressusciter ce réveil. Il doit restaurer ce réveil. Ça veut dire qu'il doit ramener l'église primitive en ce temps de la fin, bien-aimé. Il doit ramener l'église primitive en ce temps de la fin. Où sommes-nous là? Où sommes-nous là, bien-aimés? Où sommes-nous? Où sommes-nous, chrétiens? Réveillons-nous. Réveillez-vous, chrétiens. Où sommes-nous? Bien-aimés, la prédication va commencer. Nous allons ancrer dans le corps de notre prédication, le corps de notre thème, bien-aimés. Bien-aimés, nous ne pouvons pas commencer. On commence avec notre grand temps, la négligence. Bien, mais je ne peux pas commencer à vous libérer des révélations profondes qui se couvrent dans cette prédication de notre thème de la négligence si déjà je ne vous donne pas déjà la définition. Qu'est-ce que signifie négligence? Oui, pour que à la suite nous allons comprendre tous les détails que nous allons donner sur la négligence, puisqu'on connaît déjà ce qui signifie le mot négligence. Bien-aimé, qu'est-ce que signifie négligence? Le mot négligence, bien-aimé, qu'est-ce que signifie ce mot? Qu'est-ce que signifie ce mot? Le mot négligence, il n'a que 4 lettres. 4 lettres, bien-aimé. Autant pour moi, le mot négligence qui n'a que 10 lettres. Qui n'a que 10 lettres, bien-aimé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça a 10 lettres. Ce petit mot qui a 10 lettres là, ça signifie quoi? Bien-aimé, la négligence, c'est l'attitude. Bien-aimé, soyons attentifs. Je vais donner cette situation lentement pour que ça puisse ancrer, ça puisse pénétrer dans l'esprit, ça puisse pénétrer dans les âmes, ça puisse pénétrer dans le cœur et que ça puisse transformer. Bien-aimés, laissons que cette prédication, laissons que le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui est en moi, laissez que ce message pénètre en vous, transforme. Quand on laisse, bien-aimés, on laisse cette transformation, nous allons voir le résultat. La négligence, c'est quoi, bien-aimés? La négligence, c'est l'attitude. L'attitude, virgule. L'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait. Ou devrait faire. Ça veut dire que l'état, c'est l'attitude, virgule, l'état d'une personne dont l'esprit ne s'applique pas. L'esprit ne s'applique pas à ce qu'elle fait ou il devrait faire. Bien, mais écoutons bien. Donc, à ce qu'il fait, à ce que cette personne fait,
Quand on dit que quel fait, c'est la personne. Elle, c'est pour la personne. À ce qu'elle fait ou devrait faire. Bien-aimé, vous voyez déjà, ça veut dire que à ce que soit ce que tu es en train de faire, tu négliges, ou ce que tu sais que tu dois faire, tu as un devoir, le devoir, l'obligation à faire, ou tu as un devoir, tu as une charge qui a été confiée par le Seigneur, un devoir que Dieu t'a confié, une charge qui a été confiée par Dieu, mais tu, soit peut-être que tu fais ça avec négligence, ou tu n'arrives même pas, tu es incapable, tu n'arrives même pas à faire cela, à manifester cela. Voilà pourquoi je vais parler, nous allons parler de la paresse et de la négligence dans le plan spirituel et le plan physique. Et le plan physique, bien-aimé. Et le plan physique, qu'est-ce que signifie encore négligence? Dans un autre terme, la négligence, c'est encore... C'est une personne. C'est de ne pas prendre soin. Donc c'est une personne qui ne prend pas soin. Une personne négligente, c'est une personne qui ne prend pas soin. Qui ne prend pas soin, qui n'est même pas attentif, ni vigilant. Ça veut dire que non seulement il ne prend pas soin, il n'est pas attentif, il n'est pas vigilant à l'égard des choses, à l'égard de certaines choses importantes. Des événements ou à l'exécution d'une tâche qu'il a été confiée. Voilà l'autre thème. Je donne encore la séquence de ce thème, ce deuxième thème. La négligence, une personne négligente, c'est une personne là, quelqu'un qui est négligent, c'est celui-là. Celui-là qui ne prend pas soin. Celui-là qui n'est pas attentif, qui n'est même pas vigilant à l'égard de certaines choses importantes ou bien de certains événements. Ou l'exécution d'une tâche qui a été confiée, bien-aimé. Quand on dit qu'événement, comme par exemple le retour de Jésus, il y a certaines personnes qui négligent le retour de Jésus-Christ, qui négligent de se préparer pour le retour de Christ. Quand on dit que Jésus-Christ est à la porte, Jésus-Christ est en train de venir, l'autre Dieu qui est proposé, ça veut dire qu'ils sont d'abord négligents. Ils ne tiennent pas compte de tous les signes que Jésus-Christ a énoncé que voici quand vous verrez ces signes, ça veut dire que je suis à la porte, ça veut dire que mon retour est déjà proche. Mais ces signes sont en train de s'accomplir, ils sont en train de négliger ces signes. Ils ne prêtent pas attention à ces signes, ils ne prêtent pas attention à ces signes, ils négligent ces signes, bien-aimés. Ils ne prennent pas soin, ils ne prennent pas soin de lire la parole de Dieu minutieusement, bien-aimé. Minutieusement. Ils ne prennent pas ce soin, bien-aimé. Ils ne sont pas attentifs. Ils ne sont même pas vigilants. Les gens ne sont pas vigilants en ce temps de la fin. Ils ne sont pas vigilants au retour de Jésus. Ils ne sont pas vigilants à tous les événements, tous les signes qui sont en train de se présenter, qui sont en train de s'accomplir. Qui sont en train de s'accomplir, bien-aimé. Qui sont en train de s'accomplir. Tout ce que Jésus-Christ nous a dit, quand cette époque va venir, l'époque où nous traversons déjà, l'époque où tous ces signes vont s'accomplir, ce que Jésus-Christ a dit qu'on devra faire, qu'on doit faire, qu'on devra faire, on est en train de négliger ces choses. C'était qu'ils sont en train de négliger ces choses. Ah oui. Ah oui. Ce qu'on connaît, que Jésus a dit que dans cette époque, à cette heure, dans cette époque, à ce moment-ci-là, que dans tel signe, il faut s'accomplir, telle prophétie, il faut commencer à s'accomplir. Voici comment l'attitude que vous devez avoir, voici comment vous devez faire, voici l'attitude que vous devez avoir. Maintenant, les gens n'en ont pas cette attitude. Les gens, quelle attitude que vous avez, bien aimé? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Jésus a dit que quand vous verrez ces choses, régressez vos têtes quand votre délivrance est proche, bien aimé. Là maintenant, bien-aimé, les gens n'arrivent pas à avoir cette attitude de régresser la tête, bien-aimé, de régresser la tête, bien-aimé. Jésus a dit que soyez éveillés. Est-ce que nous sommes éveillés? Préparez-vous. Est-ce qu'on se prépare? Soyez éveillés. Est-ce que nous sommes éveillés, bien-aimé? Attention, bien-aimé. Bien-aimé, attention. Attention. Jésus-Christ n'est même pas un peu content des chrétiens. Il n'est même pas un peu content la majorité des églises, la majorité des chrétiens, la majorité des serviteurs de Dieu, la majorité des fidèles, la majorité des bien-aimés, la majorité des frères et sœurs, la majorité des églises. Bien-aimés, Jésus-Christ n'est pas content.
Il n'y a qu'un reste de vestiges. Un reste, un tout petit reste de vestiges que Dieu est content. Mais le reste, la majorité, Dieu n'est même pas un peu content. Dieu n'est pas content. Bien-aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas content. C'est la manière que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'atmosphère que le Seigneur de Dieu se trouve. C'est ça que je dégage dans cette prédication. Je dégage dans cet enseignement, bien-aimé. Dans cet enseignement, bien-aimé. L'autorité, Dieu m'a confié l'autorité. Il m'a donné son autorité de prêcher la vérité. De prêcher la vérité avec les boules de feu qui sortent. Les boules de feu qui sortent de la bouche, bien-aimé. Afin de couper les chaînes, pour briser les chaînes. Afin d'aller fondre. D'aller fondre, bien-aimé. Tout ce qui incarcère les cœurs des chrétiens. C'est Dieu qui agit. C'est pas moi qui agis. Je ne suis qu'un instrument du Seigneur. Bien-aimé. Voilà ce que signifie la négligence. Voilà la définition de négligence. Voilà ce que signifie la négligence, bien-aimé. Nous allons parler, bien-aimé. Nous allons parler des différents. Plusieurs manières. Nous sommes négligents dans l'œuvre de Dieu. Nous allons parler de comment nous sommes négligents dans plusieurs domaines. Nous sommes négligents dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que nous allons parler là maintenant, bien-aimé. C'est ça que nous allons parler. Dans plusieurs manières, nous sommes négligents dans l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, bien-aimé. Comme on dit que la parole de Dieu est le socle. C'est notre socle, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre guide. Bien, mais je continue encore à répéter et à soutenir encore avec fermeté et avec autorité et sans doute, sans incrédulité, la parole du Seigneur. Jésus-Christ a dit. Mais les gens me disent Seigneur, Seigneur. Les gens diront Seigneur, Seigneur. Mais seule la personne qui fait la volonté de Dieu, qui ancre dans le royaume des cieux, fait la volonté de Dieu, qui pratique la parole de Dieu, bien-aimé, qui ancre dans le royaume des cieux. Jésus-Christ a encore dit dans sa parole, heureux celui qui écoute et met en pratique ses paroles. Oui, c'est cette parole que je viens soutenir, des révélations que le Saint-Esprit me donne, des prédications que le Saint-Esprit me donne, des enseignements que le Saint-Esprit me donne. C'est ça que je soutiens avec la parole en appui, bien-aimé. La parole en appui, bien-aimé. La parole en appui, bien-aimé. La parole qui est la vie éternelle. La parole du Seigneur qui est la vie éternelle, bien-aimé. Qui est la vie éternelle. Nous allons parler d'abord. D'une première manière de négliger l'œuvre du Seigneur. Oui, d'une première manière de négliger l'œuvre de Dieu. Nous allons parler de cela. Nous allons parler de cela. Oui, la négligence de l'œuvre du Seigneur, ça se passe aussi. Oui, les gens négligent de méditer la parole. Oui, les gens me disent de méditer. Oui, la première manière de négliger, première manière que je vais citer, la négligence de méditer la parole du Seigneur. Oui. La négligence de méditer la parole du Seigneur. Oui. La négligence de méditer la parole de Dieu. La négligence de se lever et faire le combat spirituel. La négligence de se lever dans le combat spirituel. De repousser l'ennemi. Nous allons offrir la parole du Seigneur dans Jérémie. Jérémie chapitre 48. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jérémie. Jérémie chapitre 48, bien-aimé. Nous allons ouvrir la parole de Jérémie chapitre 48, verset 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que maudit soit celui qui fait. Dans d'autres versions, c'est que malheur, celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire que quand on parle, il y a la malédiction, c'est un malheur. Le Seigneur dit que ce n'est pas moi qui dis, mais c'est la parole de Dieu qui dit. La parole de Dieu dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu, celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel.
Et celui qui le fait aller, lève l'Éternel, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Quels sont les dons que Dieu t'a confiés? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Quelle est la charge que Dieu t'a donnée? Le Seigneur vient te dire aujourd'hui. Le Seigneur vient te dire aujourd'hui, tu es conscient. Tu es conscient dans ton cœur. Tu es conscient dans ton esprit. Tu es conscient dans ton âme. Conscient la charge que Dieu t'a donnée. La charge que Dieu t'a révélée. La mission que Dieu t'a révélée, que c'est ce que je t'ai appelé. Qu'est-ce que tu fais de cela? Tu fais quoi de cela? Le Seigneur dit que maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Quelle manière que tu fais l'œuvre du Seigneur? Oui. C'est quelle manière que tu manifestes les dons de Dieu, bien-aimé. C'est quelle manière que tu fais l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Le Seigneur dit que maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Nous savons que l'épée, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit déjà dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 17. La parole de Dieu nous dit que... Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit. Quand on doit prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, ça veut dire que l'épée du carnage, qu'on nous dit ici, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, pour vous prouver que l'épée du carnage, quand je parle ici, c'est la parole de Dieu, c'est cette épée maintenant dont en Éphésiens chapitre 6, verset 17, nous prouve que la parole, c'est une épée. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 6, verset 17 nous dit que prenez l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, bien-aimé. Mais le Seigneur dit que malheur, maudit soit celui qui éloigne de son... Mais maudit soit celui qui éloigne de son carnage. Celui qui éloigne l'épée de son carnage, bien-aimé. Tu éloignes l'épée du carnage. Tu es là l'épée du carnage. Tu es là l'épée du carnage. Tu es là l'épée du carnage, bien-aimé. Ton carnage, c'est quoi? Le carnage, c'est ton cœur. Le carnage, c'est ton esprit. Et alors, l'épée qui est la parole. La parole doit habiter où? Dans ton cœur. La parole doit habiter où? Dans ton esprit. La parole doit être sculptée, imprégnée où? Dans ton âme. Bien-aimé, qu'as-tu fait de la parole? Qu'as-tu fait de la parole? Qu'as-tu fait de la parole? Qu'as-tu fait de la parole, bien-aimé? Qu'as-tu fait de la parole? Qu'as-tu fait de la méditation de la parole? Qu'as-tu fait? Tu ne médites plus la parole. Qu'as-tu fait? Tu ne pratiques plus la parole. Qu'as-tu fait, bien-aimé? Bien-aimé, et tu connais le moment. Le moment où tu faisais la fierté de Dieu. Rappelle-toi, le moment où, bien-aimé, il va se reconnaître. Celui à qui le Saint-Esprit adresse cette parole, il va se reconnaître. Il entend, il va se reconnaître. Souviens-toi du moment où tu faisais la fierté du Seigneur. Du moment où Tu étais paré d'or devant le Seigneur. Du moment où tu faisais la joie de Dieu, quand tu étais discipliné dans la méditation de la parole, quand tu laissais pénétrer dans ton cœur, ton âme, ton esprit la parole, quand tu fuyais le péché, quand tu étais consacré à Dieu. Mais pourquoi tu t'es détourné? Pourquoi tu as lâché? Pourquoi tu as baissé? Maintenant, le Seigneur, Jésus t'appelle à lui. Reviens. Si tu ne reviens pas, Ma parole ne s'accomplit que sur les rebelles. Mes paroles de malheur ne s'accomplissent sur ceux qui ne se repentent pas, sur ceux qui ne reviennent pas à Jésus-Christ. Bien-aimé, répands-toi et réallume ton flambeau. Réallume le flambeau de la méditation, la discipline de la méditation, bien-aimé.
Remets maintenant les pieds dans le fourreau. Bien-aimé, pourquoi tu as laissé? Pourquoi tu as laissé que la parole qui habitait en toi, la parole qui résidait en toi, pourquoi tu as laissé le monde éteindre cette parole? Pourquoi tu as laissé que des gens qui t'ont injuré, des gens qui sont moqués de toi, pourquoi tu as laissé ces paroles éteindre la parole en toi? Et c'est pourquoi tu as laissé que l'ennemi, la haine, la jalousie, les querelles, la distraction, pourquoi tu as laissé ça vient éteindre la parole de Dieu en toi? Ça veut éteindre la méditation en toi. Ça veut éteindre l'heure que tu donnais souvent au Seigneur. Le temps que tu donnais souvent à toi quand tu méditais sur la parole. Le Seigneur t'appelle à lui. Repentance. Repentance. Il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous confessons le péché et nous nous détournons, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Tant que le temps n'est, tant qu'il ne fait, tant que vraiment il reste encore un peu de temps. Tant qu'il reste encore un peu de temps pour que je vienne enlever l'église, il est temps de se repentir, de revenir au Seigneur. Recommence à pratiquer la parole de Dieu. Recommence à méditer la parole de Dieu. Recommence à écouter la parole de Dieu. Recommence à écouter les enseignements purs. La sainte doctrine, ce n'est pas impur. Et le Seigneur, tu verras la lumière, lui, et Dieu te pardonnera. Bien-aimé, notre enseignement est toujours en train de continuer, bien-aimé. Je suis toujours en train de parler la manière que nous négligeons l'œuvre de Dieu. La manière que nous négligeons l'œuvre du Seigneur. Je suis toujours en train de parler de cela. On néglige l'œuvre de Dieu dans plusieurs domaines. On néglige l'œuvre du Seigneur dans plusieurs domaines, bien-aimé. Dans plusieurs domaines. Oui, bien-aimé. La prière. Il y a les gens qui négligent. Il y a la prière. Les gens qui négligent la prière, bien-aimé. Des gens qui négligent la prière. Ça veut dire que quand il entend affaire de prière, c'est comme quelque chose qui ne lui concerne pas. Ça veut dire qu'il néglige la prière. Il ne prend pas la prière au sérieux. Bien-aimé, si tu négliges la prière aujourd'hui, tu ne prends pas la prière au sérieux aujourd'hui, le Seigneur aussi, il ne va pas te prendre au sérieux. Tout ce que tu vas demander à Dieu, tout ce que tu as de le jour de l'enlèvement d'église, Dieu ne va pas te prendre au sérieux le jour de l'enlèvement de l'église. Le jour de ta mort, Dieu ne prendra pas au sérieux ton âme. Oui, il ne prendra pas au sérieux ton âme pour que ça rentre dans l'homme, mais il prendra au sérieux ton âme pour se rassurer que ton âme, ça se recouvre de l'autre côté. De l'autre côté. Le jour où tu vas demander quelque chose à Dieu, Dieu ne prendra pas aussi au sérieux ta demande. Mais tu, aujourd'hui, tu négliges la prière. Tu négliges la prière. La prière est une obligation que chaque chrétien doit prendre soin de faire. Bien-aimé, quand tu pries même, parfois même on dit que là, on a dit que soit en négligeant ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on doit faire. Soit on sait qu'on doit prier, mais on néglige, on ne prie pas. Soit on est en train de prier, mais tu es en train de négliger. Ça veut dire que tu es dans la prière, mais tu es en train de faire cette prière avec négligence. Ça signifie quoi? Ça veut dire que tu es en train de prier avec des pensées impures. Ça veut dire que tu es dans la présence du Seigneur. Tu es dans la présence de Dieu, mais tu as des pensées ailleurs. Des pensées de nourriture, des pensées de femmes dans la tête, des pensées, seulement des pensées de l'argent dans la tête. Dans la prière. Or, au lieu que l'esprit soit focalisé, que ce soit l'esprit, la pensée, le désir, le sentiment, l'affection, la passion, bien-aimé, ça soit synchronisé et connecté avec le Saint-Esprit. Et connecté avec le Saint-Esprit, connecté avec le Chrome, bien-aimé. Mais tout cela, rien. Le cœur soit disposé et connecté. Toutes ces choses, Dieu les regarde. Même quand tu ne pries pas, Dieu regarde. Même quand tu pries, Dieu se rassure. Il regarde, est-ce que ta prière est faite en esprit et en vérité? Ah oui? Voilà. Ceux qui négligent la prière. Bien-aimés, nous allons passer à autre chose. Nous allons passer à autre chose. Il y a encore, quelle troisième manière, comment on néglige l'œuvre du Seigneur? Oui. Quelle troisième manière
Comment nous négligeons l'œuvre de Dieu, bien-aimé? Nous négligeons l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, quand on n'arrive pas à faire du bien. Nous n'arrivons pas à faire du bien. On n'arrive pas à faire du bien. On n'arrive pas à manifester les neuf fruits du Saint-Esprit que Dieu, le dépôt des neuf fruits du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Nous savons que les neuf fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la fidélité et la foi, bien-aimée. Voilà les neuf fruits du Saint-Esprit. Voilà les neuf fruits du Saint-Esprit, bien-aimés. Nous savons que c'est dans les neuf fruits du Saint-Esprit qu'il y a manifestation des bonnes œuvres. Quand nous sommes remplis des neuf fruits du Saint-Esprit, automatiquement, nous allons manifester les bonnes œuvres. Mais alors, il y a certaines personnes qui négligent de manifester les bonnes œuvres, qui négligent, bien que Dieu a mis le bien en lui, Dieu l'a déjà rempli ses neuf fruits. Ce n'est même pas qu'il n'a pas. Il a l'amour en lui. L'amour de Dieu habite en lui. L'amour en lui. La foi en lui. Dieu l'a rempli de ces choses. Mais il ne veut pas manifester le bien, bien-aimé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet? Ouvrons rapidement la parole du Seigneur dans Jacques. Jacques chapitre 4, verset 17. Jacques chapitre 4, verset 17 nous dit quoi, bien-aimé? Jacques chapitre 4, verset 17. Nous dit que, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, bien-aimé, pêche. C'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu vient juste soutenir les révélations, les prédications que le Saint-Esprit me donne, m'enseigne, me donne, bien-aimé, me donne. La parole de Dieu nous dit que celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, pêche. Pêche, ça veut dire que ça signifie quoi? Ça veut dire que Dieu t'a donné cette capacité. Dieu t'a rempli de ses dons. Dieu t'a rempli des dons des neuf ou du Saint-Esprit. Dieu t'a donné la capacité de faire du bien ou des moyens de faire du bien. Donc ça veut dire que tu as toutes ces capacités spirituelles, capacités physiques ou matérielles, ou bien, je peux dire, moins spirituel, moins physique, de faire du bien. Ça veut dire que Dieu t'a donné toutes ces choses, Dieu t'a fourni tous ces moyens de faire du bien, bien-aimé, pour l'œuvre du Seigneur, de faire du bien à ton prochain, bien-aimé. De manifester les neuf fruits du Saint-Esprit, bien-aimé. Mais là maintenant, tu sais que Dieu t'a dopé de tout cela. Dieu t'a fait grâce de toutes ces choses. Que ces choses habitent en toi pleinement. Mais tu fais exprès de ne pas. Tu fais exprès de ne pas manifester ces biens. Le Seigneur dit que celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas, bien-aimé, pêche. Ça veut dire que d'habitude, tu fais ce bien. D'habitude, tu les manifestes. D'habitude, tu le fais. D'habitude, tu mets en œuvre ces moyens spirituels et matériels et physiques que Dieu t'a donné pour l'édification du corps de Christ, pour aider les autres, pour l'œuvre du Seigneur. Mais en temps, tu cesses de le faire expressément. Parce que quoi? Parce qu'il y a des préjudices, ou bien tu n'as pas reçu un retour comme tu attendais, bien-aimé. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde la capacité qu'il a mis en toi. Maintenant alors, quand tu cesses la capacité, le dépôt de faire du bien, le dépôt que Dieu a mis en toi, tu feras comment de ce dépôt? Tu feras comment de ce dépôt, bien-aimé? La parole de Dieu nous dit comment dans Ézéchiel. La parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel que si quelqu'un a pratiqué la justice et il arrête de pratiquer la justice, si quelqu'un pratiquait la justice, il faisait du bien et il arrête maintenant, il décède. Il arrête de faire du bien, maintenant il commence à faire le mal. Bien aimé, tout le bien qu'il a fait sera oublié. Et s'il meurt dans ses péchés, bien aimé, il part. Il part de l'autre côté. Là où on grince les dents. Repentance aussi à celui-là.
à celui-là que le Saint-Esprit interprète aujourd'hui, repentance. Repentance. Nous sommes dans le moment de refléter Christ. Un disciple de Christ est celui-là qui obéit aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Et celui-là qui imite son maître. Oh, notre maître, c'est Jésus-Christ. Un disciple. On doit sortir. On doit sortir d'être religieux. On doit sortir des dogmes. On doit sortir d'une manière que nous sommes religieux. Mais encore dans le système d'être disciple bien-aimé. D'être disciple de Christ. Disciple de Christ bien-aimé. Disciple de Jésus. Disciple de Jésus qui veut dire imiter Jésus. Disciple de Christ qui veut dire obéir l'enseignement de notre maître jusqu'au bout, bien-aimé. Jusqu'au bout. La parole de Dieu nous dit que celui qui persévère jusqu'au bout, c'est celui qui sera sauvé, bien-aimé. Ce n'est pas celui qui va faire du bien en moitié, mais celui qui va faire du bien jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui va t'interférer là? Qu'est-ce qui va te freiner là, au milieu? Là où nous sommes en train d'achever dans les temps de la fin. Bien-aimé. Nous sommes en train d'achever dans les temps de la fin. Attention, bien-aimé. Repentance pour tout cela. La parole de Dieu nous dit encore quoi? Voici encore la quatrième manière. La quatrième manière, bien-aimé. Nous négligeons l'œuvre du Seigneur. Oui, on néglige de mettre en œuvre les dons. Oui, les dons du Seigneur. Oui, on néglige de mettre en œuvre les dons de Dieu, de manifester les dons de Dieu, bien-aimé. Les dons de Dieu. Nous allons ouvrir la parole de Dieu rapidement dans 1 Timothée chapitre 4, versets 14 à 16. 1 Timothée, chapitre 4, versets 14 à 16. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veillez sur toi-même. Et suis ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ceux qui t'écoutent. Bien, mais est-ce que nous entendons? Toi à qui Dieu t'a appelé à évangéliser, à marcher, à évangéliser, il a mis un ses dépôts en toi. Dieu, toi à qui Dieu t'a donné le don d'enseignement. Bien-aimé, le Saint-Esprit s'adresse à tous ces gens-là. Toi qui Dieu t'a donné le don d'enseignement. Toi qui Dieu t'a donné le don d'évangélisation. Toi qui Dieu t'a donné le don de guérison. Toi qui Dieu t'a donné le don d'intercéder, bien-aimé. D'intercéder que ce soit pour les païens, les athées, que ce soit pour les méchants, que ce soit pour tous les chrétiens, que ce soit pour tous les serviteurs de Dieu, bien-aimé. Toi à qui Dieu a donné le don de prophétie, tu es sentinelle, que Dieu t'a donné des messages de partager, tu ne le fais pas, de partager à son église. Toi à qui Dieu t'a donné les dons, Dieu t'a appelé seulement pour partager, ou bien seulement prendre les enseignements des d'autres personnes, nous sommes le corps de Christ, où ton rôle est seulement de tous les enseignements des serviteurs de Dieu, les enseignements des saintes doctrines, des sensés de partager. Ton rôle est de partager. Toi, chacun connaît où est-ce que Dieu l'a appelé. Mais si toi, tu ne connais pas l'œuvre ou la mission que Dieu t'a appelé, il est temps maintenant que tu te prosternes et tu cherches la face du Seigneur pour connaître quelle est la mission que Dieu te confie, quelle est la mission que Dieu t'a appelé à faire sur cette terre. Mais tout à ceux qui connaissent déjà leur mission, toi qui Dieu t'a appelé à intercéder à tout moment, à fléchir le genou à tout moment, toi à qui Dieu a appelé, Dieu a donné les dons, Dieu a bien-aimé, le Seigneur vient dire aujourd'hui, le Seigneur vient dire, qu'avez-vous fait, pourquoi négligez-vous bien-aimé ces dons, pourquoi les négliger, maintenant, vous ne voyez pas. Maintenant, vous ne croyez pas. Maintenant, vous ne pensez pas. Maintenant, vous faites semblant de boucher les oreilles. Mais
dans les jours à venir. Dans les jours à venir, les comptes seront demandés à tout un chacun. Les comptes, chacun va rendre compte. Chacun va rendre compte. Bien-aimé, on ne peut pas abuser de Dieu. Dieu est lent à se mettre en colère. Dieu est très patient. Mais un seul jour viendra où Jésus-Christ doit venir reprendre toutes choses en main et juger tout un chacun et demander les comptes à tout un chacun. Demander à tout un chacun de rendre compte. Oui, si tu ne te répands pas, bien-aimé, si tu demeures dans cette négligence, tu demeures dans cela, le Seigneur te réclamera. Le Seigneur te réclamera. Le Seigneur te réclamera. Le Seigneur te réclamera. Il est temps aujourd'hui de se repentir. Il est temps aujourd'hui de revenir au Seigneur. Il est temps aujourd'hui de s'auto-examiner. Bien-aimé. La parole de Dieu est très claire. Ne néglige pas le don. J'ai essayé de citer tous ces dons-là. Nous connaissons tous les dons. Nous connaissons tous les dons. Ne néglige pas. Quand je dis que ne néglige pas le don, ça veut dire qu'il y a un dépôt que Dieu a mis sur toi. Il y a un dépôt qui est sur toi. Tu fais quoi de ce dépôt? La parole de Dieu est très claire. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Donne-toi tout entier, on dit qu'occupe-toi de ces choses. Quelles choses? Tout ce que le Seigneur, tout ce que l'Éternel t'a confié comme charge, comme mission, que tu connais très bien, tous les dons que Dieu t'a donnés, la parole de Dieu, le Seigneur te dit qu'occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement à elle. Donne-toi entièrement à elle. Ce ne sont, ça ne t'appartient pas, mais ça appartient à Dieu. Si tu négliges, tu ne te donnes pas à fond à ça, tu ne t'occupes pas de ça, tu rendras compte. Tu rendras compte, bien-aimé. Tu rendras compte. Tu rendras compte. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi entièrement à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Pour tous. Est-ce que nous entendons? Tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire que, non seulement, comme la parole nous dit encore que, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, persévère dans ces dons. Dans ces dons, quand tu persévères dans la pureté, la sainteté, ça veut dire que tous les dons doivent être persévérés. On doit persévérer avec chaque don. On doit faire tout don dans la pureté et la sainteté, non pas dans la gestion impure, non pas dans la gestion des vaines gloires, la version des vaines motifs ou des motifs impurs. Bien aimé, attention, tu peux aussi bien manifester les dons, mais ça va avec des motifs impurs, mais avec sans sainteté, sans sanctification, mais dans des motifs impurs, des motifs de vaines gloires, des motifs. Bien aimé, là-bas aussi c'est en vain. Tu n'es pas différent de celui qui enterre aussi ses dons. Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Veille-toi. Veille sur toi-même, sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons? Déjà, la parole de Dieu nous dit déjà. La parole de Dieu nous dit déjà que, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vous entendez déjà? Et la parole de Dieu dit encore, persévère dans ces choses afin que tu sauves toi-même et tu sauves encore les autres. Bien, mais est-ce que nous comprenons bien? Nous comprenons la parole de Dieu? La parole de Dieu que nous négligeons aujourd'hui.
La parole de Dieu que nous blaguons avec aujourd'hui. Je continue toujours à répéter encore, à soutenir, à proclamer, à publier à haute voix, avec autorité encore, que la parole de Jésus-Christ a dit, que la parole qu'il nous a laissée, ce n'est pas lui qui va nous condamner, mais c'est sa parole qu'il nous a laissée qui va nous condamner au dernier jour. La parole que Dieu nous a laissée, maintenant, nous ne sommes pas encore condamnés. Maintenant, nous ne sommes pas encore condamnés, mais dans les derniers jours, c'est cette parole qui va nous condamner. Oui. Maintenant, Dieu appelle encore tout le monde à la repentance. Jésus qui manifeste encore son amour. Jésus qui manifeste encore sa patience. Jésus qui manifeste encore sa bonté. Jésus qui manifeste encore afin d'appeler tout le monde à la repentance. Afin que personne n'arrive, personne ne se perde, mais que chacun arrive à la perfection totale. Chacun arrive à la connaissance de la vérité et à pratiquer cette vérité pour, dans le but d'ancrer l'homme de Dieu. Dans le but d'être enlevé, le but si on meurt, on ne part pas en enfer, mais nous entrons dans le royaume des cieux. Bien-aimés, j'ai toujours rappelé aux bien-aimés, j'ai toujours rappelé à tous les bien-aimés que là vous voyez là vous voyez bien-aimés, je vous assure, ne pensez pas que comme l'amour de Dieu, la grâce de Dieu est encore disponible. L'amour du Seigneur est là, la patience de Dieu est là. La bonté de Dieu est là. Et que nous allons penser que vraiment, Dieu est trop faible. Ou Dieu oublie notre rébellion. Dieu oublie notre rébellion. Ou bien Dieu est trop ami avec nous. Non. C'est parce qu'il ne peut pas régner lui-même. C'est parce qu'il est fidèle. Mais c'est dans les derniers jours que vous allez comprendre. Nous allons comprendre que quand on ne fait pas la volonté de Dieu, on n'était pas ami de Dieu. Ça veut dire qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas amis de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas son ami. On ne sommes pas son ami. On néglige tout ceci de la paix de mer. Nous négligeons le Seigneur. Nous ne sommes pas son ami. C'est très clair. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas encore comprendre ces choses. Mais dans les derniers jours, mais après ta mort, après l'avènement de l'Église, après le jugement du dernier jour, c'est le jour là que tu comprendras. 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 Tu te souviendras de ces enseignements. Tu te souviendras de ce que le Seigneur parle à travers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu te souviendras. Bien-aimés, nous allons finir avec ces derniers points. Nous allons finir avec notre dernier point. Nous allons finir avec notre grand temps, la négligence. Nous allons finir avec ça, avec les derniers points suivants. Avec les derniers points suivants pour que nous passions directement à la paresse. Nous passons directement à la paresse, bien-aimés. Nous passons directement à la paresse. Bien-aimés, quand la parole de Dieu nous parle, il y a encore la négligence. Il y a la négligence. Quand on dit que la négligence l'œuvre de Dieu, la négligence l'œuvre de Dieu, ça a plusieurs domaines. Ça veut dire que c'est très large, c'est très vaste. J'ai prélevé quelques manières de montrer comment est-ce que nous négligeons. Mais si je prenais tout, bien-aimés, l'enseignement ne pourra jamais finir. Mais j'ai pris quelques éléments importants, accompagnés avec la parole, appuyés avec la parole. Bien-aimés, il y a les gens, oui. Bien-aimés, il y a les gens là. Il y a les gens dans l'église. Là, je suis en train de parler, l'église vraiment où la présence de Dieu est là. Où il y a la sainteté du Seigneur. L'église vraiment où le serviteur de Dieu, c'est un vrai serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu vraiment qui prêche toute la vérité totale. Lui-même, il marche selon cette vérité. Et que cette église, c'est une église où il y a la présence du Seigneur, la sainteté du Seigneur. Où il y a vraiment la puissance de Dieu intense. Où Christ lui-même prend place. Une église que... on laisse que tout le monde manifeste les dons et que tout le monde met les sanctifications. C'est dans cet ordre, c'est dans ce sens-là que je vais donner quelques exemples dans ces églises. Parce que quand je parle d'église, je spécialise bien. Nous sommes dans les temps de la fin. On s'en rend compte.
Oui, les gens qui arrivent en retard à l'église. Tu pars à l'église, bien-aimé. Ça veut dire que tu connais, tu es conscient que dimanche, tu vas aller à l'église. Ça veut dire que tu es conscient que dimanche, tu vas aller à l'église. Tu ne peux pas me dire que le vendredi, le samedi, tout au long de la semaine, c'est dimanche matin que tu vas repasser ton habit. C'est dimanche matin que tu vas repasser ton habit, bien-aimé. Ou bien, c'est quand tu veux déjà aller à l'église que tu repasses ton habit. Hein? Vous arrivez à l'église en retard. En retard. Bien-aimé, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Pour qui? Pour qui prenons-nous Dieu? Pour qui prenons-nous la sainteté du Seigneur? Pour qui prenons-nous du Seigneur? Ou bien parce qu'il est invisible? Ou bien parce qu'il est invisible? Pour qui prenons-nous le Seigneur? Pour qui prenons-nous le Seigneur? Après, vous allez demander. On va demander à Dieu. On va demander à Dieu. Bien-aimé, personne ne va recevoir. On ne peut pas recevoir. Oui, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux pas. Hein? Si Dieu a prévu que la science de culte est là, c'est au début qu'il va bénir tout le monde. Il va accorder la grâce à tout le monde. Bien-aimé, quand tu peux arriver en retard, bien-aimé, tu vas arriver que tu as raté la bénédiction. Tu as raté la bénédiction. Tu as raté la bénédiction. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu accomplit d'une manière ou d'une autre. Je peux te dire que c'est dans ta prière d'intimité que Dieu va accomplir. Mais c'est dans la prière collective que Dieu va accomplir. C'est moi j'ai spécialisé bien l'église. J'ai spécialisé bien l'assemblée qu'il s'agit. Attention. Attention, il y a des gens qui sont indisciplinés dans l'assemblée, indisciplinés au milieu de leurs frères et sœurs, indisciplinés dans l'assemblée, comme il est indiscipliné dans sa vie d'intimité avec Christ, c'est comme ça qu'il est indiscipliné dans l'assemblée, comme il fait du désordre dans l'assemblée, c'est comme ça qu'il y a du désordre dans sa vie spirituelle, individuelle, dans l'intimité avec Christ. Honte et déshonneur. Honte et déshonneur que nous donnons au Seigneur. Et honte et déshonneur que nous donnons à la chrétienté. Honte et déshonneur que nous donnons à l'assemblée de Christ, à l'église de Christ. Oui, c'est à cause de ces personnes, c'est à cause de ces chrétiens qu'on se moque de l'église de Christ. Que la vérité de Dieu est calomniée partout. La vérité de Dieu, on se moque de la vérité de Dieu partout. Dieu note ces choses. Dieu ne sait ces choses. Si on ne se répand pas, si on ne se répand pas, si la personne ne se répand pas, si la personne ne se répand pas, bien-aimé, si on ne se, la personne ne se répand pas et qu'il prend vraiment sa vraie marche avec Christ en main, qu'il revient sur le bon chemin avec le Seigneur, Dieu lui demandera la récompense et il saura. Il a encore temps de se repentir. Il a encore temps de se repentir. Il a encore temps de se repentir, bien-aimé. Il a encore temps. Oui, il y a parfois, il y a certaines personnes qui interprètent dans l'église. C'est comme si, quand tu interprètes dans l'église, ça veut dire que tu fais l'interprétation avec négligence. C'est comme si on te pousse, c'est comme si on te pousse à interpréter. Donc c'est comme si on te fouette même. Pour que certaines personnes, je ne sais pas. Pour que certaines personnes, pour qu'ils font l'œuvre de Dieu dans l'assemblée, pour qu'ils m'invitent dans l'assemblée, pour que c'est comme si, je ne sais pas. On doit les fouetter. Il faut que les serviteurs de Dieu courent derrière eux. Il faut que les serviteurs de Dieu doivent casser la tête. Doivent casser la tête. Il faut que les ministres doivent casser la tête. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Il y a certaines personnes. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Les intercesseurs et les intercesseurs de l'assemblée, de l'église. Je ne sais pas. Le jour qu'on connaît, le jour qu'ils connaissent, c'est un jour d'intercession. C'est comme si le force. C'est comme si maman le fouette. C'est comme si c'est quelque chose. Comme s'il travaillait pour l'homme de Dieu. Comme s'il travaillait pour. Je ne sais pas. C'est comme s'il travaillait pour. Tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour ton salut. Tu travailles pour l'homme du Seigneur. C'est la récompense que Dieu va donner. Hein?
Ce n'est pas l'homme de Dieu qui a mis ce dépôt en toi. Ce n'est pas le ministre qui a mis, ni l'apôtre, ni le pasteur qui a mis cela en toi. Pour que, c'est Dieu qui a mis cela pour que tu es dans cette obligation, l'obligation afin de manifester cela dans l'assemblée pour l'utilité commune de l'Église, du corps de Christ. Tout don que soit don matériel, don spirituel, que Dieu nous a donné à tout un chacun, on doit le faire. Nous allons ouvrir la parole de Dieu rapidement dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, verset 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 6, verset 2, bien-aimé. Donnez-moi quelques instants. La parole de Dieu nous dit dans Actes chapitre 10, Actes chapitre 6, verset 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu nous dit que Actes chapitre 6, verset 2. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dit: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Bien-aimé. Donc, ça veut dire que dans l'église, il faut encore que c'est l'apôtre ou le pasteur ou l'évangéliste ou le prophète, je suis en train de parler des bons serviteurs de Dieu, l'assemblée ordonnée, l'assemblée de la sainteté. Je précise bien. Donc, il faut encore que c'est l'apôtre, c'est lui qui doit préparer l'enseignement, l'apôtre, le pasteur, l'homme de Dieu, ou le prophète, ou l'évangéliste, c'est lui qui doit préparer l'enseignement, c'est lui qui doit venir, c'est lui qui doit préparer l'enseignement, c'est lui qui doit enseigner la parole de Dieu, c'est lui qui doit faire des prières, c'est lui qui doit conduire le culte, c'est lui qui doit suivre les âmes. Il faut encore que d'autres choses encore, il faut encore que on appelle ça comment, des autres petits détails, il faut encore que c'est lui qui s'en occupe encore. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Vous voyez que c'est normal? Oui, les chrétiens sont là, les fidèles sont là. Oui, ils laissent toutes ces charges aux serviteurs de Dieu. Ils ne veulent pas soutenir les serviteurs de Dieu. Ils ne veulent pas les soutenir. Ils ne veulent pas les venir en secours avec les dons que Dieu a mis à tout un chacun d'eux, que ce soit don spirituel, que ce soit moyen matériel. Hein? Vous ne voulez pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. Pensez-vous que le Seigneur, pensez pour que Dieu n'est pas un Dieu de justice. Pensez pour que Dieu ne note pas toutes ces choses. Bien-aimé, Dieu connaît les motifs de tout un chacun. Dieu connaît les cœurs. Dieu connaît les pensées de tout un chacun. Qu'on ne se trompe pas, bien-aimé. Qu'on ne se trompe pas, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit là-bas que la parole de Dieu est efficace, plus vivante qu'une épée à double tranchant, pénétrant et partageant l'âme et l'esprit, jointure et moelle. La parole de Dieu, c'est efficace, plus vivante qu'une épée à double tranchant. Bien-aimé, à double tranchant, pénétrante, bien-aimé, partageant, en jugeant, partageant jointure et moelle, et juge les sentiments du cœur. Oui. Qu'on ne se trompe pas, bien-aimé. Je suis là pour prêcher la vérité. Je suis là pour prêcher la vérité. Je suis là pour prêcher la vérité, bien-aimé. Je suis là. La parole de Dieu nous a dit ici que ce que l'appel que Dieu m'a appelé, il m'a choisi dans le ministère apostolique. Il m'a choisi, appelé dans ce ministère. Ça veut dire que la parole de Dieu nous dit de persévérer dans ça, de prêcher dans ça, de prendre soin de cela. Et cela, on va sauver nous-mêmes, sauver les autres. Et si je fais d'abord, je persévère dans la vérité, c'est pour que je veux d'abord sauver moi-même, et sauver aussi les autres. Les autres dont ils sont liés par l'esprit, ils ont été liés par des doctrines impures, des doctrines, des enseignements impurs, des enseignements sales, des enseignements qui n'amènent pas dans le royaume des cieux. Bien-aimés. Qui n'amènent pas nulle part dans le royaume des cieux. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 6, verset 2. Hein? Les douze convoquaient. Quels sont les douze? Les apôtres, les hommes de Dieu. Les douze convoquaient la multitude des disciples et dit: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir les tables aux tables. Vous comprenez?
Ça veut dire qu'ils ont convoqué d'autres disciples. Ça veut dire que chaque chrétien doit être un disciple de Christ. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas laisser la parole pour se mettre encore à table. Ou bien d'autres choses, des détails. À table, c'était quoi? Partager de la nourriture à ceux qui n'en ont pas, aux orphelins veuves. Donc il faut encore. Hein? C'est vrai que l'homme de Dieu peut avoir l'argent là. Maintenant, il va finir d'acheter la nourriture. Il ne faut pas que c'est encore lui qui doit encore marcher. Maintenant, ce sont, il y aura certains fidèles qui ont pour rôle de partager aussi la nourriture. D'aller partager aussi la nourriture. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu seul qui va marcher pour aller manger partout, mais sachez aussi qu'il faut que les disciples, les fidèles, aussi partent dans l'évangélisation. Ils accompagnent aussi l'homme de Dieu, même si l'homme de Dieu est occupé dans d'autres choses, dans d'autres fonctions spirituelles. Il faut que répandez-vous, allez évangéliser. Et maintenant, amenez les âmes dans les assemblées, amenez les âmes dans l'église, afin qu'ils soient affermis. J'ai bien précisé l'assemblée qui s'agit et les hommes de Dieu qui s'agit. J'ai bien précisé. Oui. Donc, voilà à ce qui concerne. Oui. Il y a la négligence. Certains négligent les péchés des petits. Certains négligent les péchés. Ils disent que non, ce sont des petits péchés. On ne fait que vous dire que le mensonge n'est pas bien. Oui, non, j'ai laissé pour le grand mensonge. Mais je continue à mentir un peu. Je compte sans piège de l'ennemi. Sans piège de l'ennemi. Et ce qui est même marrant, c'est que quand ceux qui disent que c'est un petit péché là, quand ils font ça, ils ne se repentent même pas. Ils négligent de se repentir, même de ces petits péchés qu'ils disent que petit péché là. Dieu prend tout les détails en compte. On appelle ça l'orgueil. Dieu lui considère ça comme, mais toi, tu vois que c'est un petit truc. Ça, c'est l'orgueil devant Dieu de ne pas se repentir de ça. Hein? De ne pas se repentir de tout cela. Donc, voilà ce qui concerne la négligence, mes bien-aimés. Maintenant, nous allons passer sur notre deuxième partie qui est la paresse. Bien-aimés, donc, comme je vous disais tantôt, que nous allons passer sur la paresse. La paresse spirituelle, la paresse de travailler avec les mains bien aimées. Donc, nous avons déjà terminé avec la négligence spirituelle et en toute chose en ce qui concerne l'œuvre du Seigneur. Mais bien aimé, pour ne pas être trop long, pour ne pas l'enseignement ne soit vraiment pas trop long, je préfère vraiment arrêter l'enseignement, bien aimé, à ce niveau. Et nous allons continuer avec notre grand thème, avec le grand Dieu sur la paresse spirituelle dans une autre partie d'un Seigneur bien-aimé. Demeurez béni dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez béni et soyez toujours à l'écoute des enseignements. Soyez toujours à l'écoute vraiment des enseignements bien-aimés dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth. Que le Seigneur vous fortifie, vous transforme davantage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.